sommes aujourd'hui rassemblés pour une cérémonie de remise d'équipement. C'est très bien. Nous avons tantôt parlé de subventions. C'est pas plus mal. Mais j'aimerais aussi qu'on se rappelle de la mission des ASC. C'est un plaidoyer que je fais depuis le début. Quand on parle d'ASC, on parle d'associations sportives et culturelles. Et j'aurais souhaité que vous, les responsables des ASC, vous qui êtes le catalyseur de la jeunesse, qu'on mette dans les termes de référence même de nos ASC, beaucoup plus de contenu. Au-delà du sport, vous êtes le canal idéal pour discuter avec la jeunesse, pour porter les orientations de la commune. Et dans ce sens, je pense que je l'ai dit hier à quelqu'un, les portes de la commune vous sont ouvertes. Les sessions de conseil municipal, vous y êtes invités. C'est le seul moyen, je pense, ou le moyen le plus opérant pour que vous puissiez savoir ce qui se fait pour la jeunesse. Je réitère cette invitation pour que nous puissions cheminer ensemble pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, pour être à côté de la jeunesse en tout temps et en tout lieu. Aux responsables des ASC, on aura l'occasion de s'asseoir à nouveau à travers le président de la commission sport et loisirs. Nous avons du contenu. Nous vous accompagnerons pour que nous puissions y arriver. À toute l'équipe municipale, je dis merci. Ce brassard de capitaine, il est aussi à vous. Et vous avez compris que c'est en jouant collectif qu'on peut soulever des montagnes. Nous avons pu, et je l'ai prouvé, nous avons des commissions qui sont très dynamiques. Des commissions qui ont compris le sens de leur mission. Mais je ne peux pas parler des commissions sans oublier les jeunes également. Les jeunes du Réunion Daouni, hier je les ai reçus. Et ils m'ont particulièrement ému. Ils sont engagés. Ils ont été déployés au niveau des commissions. Et ils se sont intégrés. Ils se sont appropriés de leur mission. Et j'ai tenu une réunion avec des jeunes qui m'ont dit, Madame le maire, de Nyubogotoga, qui ont dit, signe de doléance. La première doléance, c'est de la formation. Vous avez tout compris. On peut vous accompagner, vous mettre le pied à l'étrier. Mais le reste, c'est vous. Une formation, un renforcement de compétences, une capacitation. Personne ne peut vous l'arracher. Elle est votre patrimoine. Et vous avez tout compris. Et l'on continuera à vous accompagner. Et chaque fois qu'on aura l'occasion de coopter davantage de jeunes, nous le ferons. Nous n'avons pas pris l'engagement de trouver du travail à tous les jeunes. Personne ne peut le faire. Mais nous avons une obligation de moyens. Chaque fois que nous le pouvons, nous le ferons. Et c'est ensemble qu'on gagnera. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose.